Aujourd'hui, on peut apprendre à développer en quelques semaines uniquement grâce à un ordinateur et une connexion Internet. Et ce type de compétences peut se vendre facilement 400, 500, voire même jusqu'à 800 euros par jour en tant que freelance. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je ferais si je devais repartir de zéro pour devenir développeur iOS freelance en 5 étapes. À la fin de la vidéo, vous saurez comment procéder pour commencer à vous former et surtout quelle stratégie adopter pour trouver vos clients le plus rapidement possible et commencer à gagner votre vie avec votre activité de freelance. Mais attention, je tiens à vous avertir quand même, c'est pas parce que cette vidéo ne dure que quelques minutes que c'est une recette magique et que vous deviendrez développeur en un claquement de doigts. Pour valider chacune de ces 5 étapes, vous devrez y consacrer du temps, des efforts et voire souvent vaincre des baisses de motivation. Ce qui est normal après tout, parce que si c'était facile, bah tout le monde le ferait. Mais vous allez voir que tout au long de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces pour garder la motivation et passer ces 5 étapes le plus rapidement possible. Commençons tout de suite par la première qui est évidemment apprendre les bases du développement iOS. Contrairement à d'autres domaines, ici on a de la chance, il n'y a pas 36 outils ou 36 langages à apprendre. Commencez par apprendre les bases de la programmation avec le langage Swift, qui est le langage utilisé pour développer sur toutes les plateformes d'Apple. Ensuite, le SwiftUI, qui est le framework qui va avec. Un framework, c'est en gros une trousse à outils qui va vous aider à créer des interfaces graphiques simplement et rapidement. C'est donc cet outil qui est utilisé pour créer des applications sur iOS, mais aussi macOS, watchOS, tvOS et tous les appareils d'Apple. Ensuite, vous allez devoir apprendre à maîtriser Xcode, l'IDE qu'on utilise pour développer en Swift et SwiftUI. Donc un IDE, c'est un environnement de développement intégré. Ça veut dire tout simplement qu'en téléchargeant uniquement ce logiciel, vous aurez accès à tous les outils nécessaires pour développer vos premières applications iOS. Mais maintenant, vous allez me dire, comment faire pour apprendre tout ça? Par où commencer? Quel cours suivre? Etc. Eh bien, malheureusement, là, c'est une grande question à laquelle je pourrais pas répondre maintenant. Il existe des centaines de cours plus ou moins bien construits dans différentes langues, plus ou moins longs, donc difficile de trouver celui qui vous correspond le mieux. Mais on va dire qu'il existe des plateformes reconnues comme Udemy qui proposent des formations pas chères, mais qui souvent apprendront le développement qu'en surface, donc sans détailler les notions importantes. Ou alors codeco.com qui est en anglais, mais qui propose pas mal de cours assez bien structurés pour le développement iOS. Et maintenant, si vous voulez, on va dire, le meilleur des deux avec du contenu en français valable pour les dernières mises à jour du logiciel avec un accompagnement sur mesure, bah vous pouvez vous inscrire via le lien dans ma description et vous recevrez un guide étape par étape pour vous lancer en tant que développeur iOS en freelance. La deuxième étape, maintenant que vous commencez à maîtriser les bases du développement iOS, ça va être d'appliquer vos connaissances à des projets concrets et donc de développer vos premières applications à publier sur l'App Store. Autrement dit, vous allez construire un portfolio. Un portfolio, c'est un peu comme un book pour un modèle. C'est ce que vous allez montrer à un employeur ou à votre futur client pour lui prouver que vous êtes exactement la personne dont il aura besoin. Le problème, c'est que souvent, quand on commence à créer son portfolio, on a tendance à vouloir créer des coquilles vides, c'est-à-dire des applications qui sont belles en apparence, mais qui ne font rien de concret. Souvent, on va développer une application qui fait des appels API, une autre avec un beau design, une autre qui ressemble à un réseau social, mais sans se connecter à aucune base de données. Bref, des coquilles vides. Pour construire un portfolio efficace, vous devez développer des applications complètement intégré, c'est-à-dire des applications fonctionnelles qu'on peut totalement utiliser. Et pas juste une application avec quelques écrans qui ne bougent pas et plein de boutons qui ne sont pas connectés. Vous devez créer des applications que les gens aimeraient utiliser sur l'App Store et bien sûr les publier. C'est clair que c'est un challenge qui peut faire assez peur à première vue, mais selon moi, c'est une étape obligatoire si vous voulez prétendre à devenir freelance. Et l'avantage de ça, il est double. D'une première part, vous allez vous auto-guider dans votre apprentissage parce que le fait de développer de telles applications vous forcera à aller chercher des connaissances que vous n'auriez pas acquises en suivant une formation classique sur Internet. Et d'autre part, vous allez être beaucoup plus confiant quand vous irez démarcher vos premiers clients. Et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence. Et puis en bonus, bah, vous aurez vos premières applications sur l'App Store. Et donc en termes de crédibilité, on sera déjà un cran au-dessus de 80% des développeurs qui se lancent en freelance. Moi perso, je vous conseille de publier au moins 3 applications. C'est une bonne moyenne, on va dire, pour être sûr de couvrir un maximum de compétences techniques. Parce que peut-être que dans la première application, vous n'allez utiliser que quelques notions, mais dans les deux autres, vous en couvrirez d'autres et ça vous donnera des bonnes bases très solides pour vous lancer. La troisième étape, ça va être de se créer une présence
en ligne. Alors, je vous rassure, l'objectif c'est absolument pas d'avoir 150 000 abonnés sur YouTube. Ici, on s'en fiche complètement du nombre d'abonnés. Le seul objectif, c'est d'être présent sur, on va dire, un ou deux réseaux sociaux et de s'en servir un petit peu comme une carte de visite. Les réseaux sociaux aujourd'hui, pour les développeurs freelance et pour plein d'autres entrepreneurs, c'est vraiment ça, c'est une carte de visite de nouvelle génération. Et pour ça, il n'y a pas 36 options. Moi, je vous conseille de faire le choix entre YouTube, Instagram ou LinkedIn, en fonction de si vous préférez créer de la vidéo, de la photo ou du texte, en plus de GitHub, qui est un incontournable pour un développeur. GitHub, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme où vous allez héberger votre code. Ça vous permet de garder un historique de toutes les versions de votre application, mais on peut aussi s'en servir comme un réseau social parce que chaque développeur a un profil dessus. Et donc, vous pouvez peaufiner votre profil pour montrer vos différents projets, ce qui revient à donc créer un portfolio. Donc, pour chacune des applications que vous allez développer en vue de les publier sur l'App Store, vous allez héberger votre code sur GitHub, ce qui, au passage, vous permettra d'apprendre à utiliser Git, un outil indispensable à tous les développeurs. Maintenant, il est aussi probable que vous n'ayez pas envie de dévoiler tout le code que vous avez écrit pour votre application, surtout si c'est une app fonctionnelle qui pourrait bien devenir un projet de business par la suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est de montrer un maximum de code et de créer un Gitignore pour cacher tous les fichiers qui vous semblent sensibles à l'application. De toute façon, gardez en tête que si vous voulez trouver un job en entreprise, l'employeur regardera votre code en détail pour évaluer bien sûr vos compétences techniques, mais lorsque vous allez démarcher des clients, eux, ils regarderont surtout le résultat final sans prêter attention au code. D'où l'importance de présenter au mieux chaque projet. Vous pouvez ajouter par exemple un README à chaque application, avec des captures d'écran, une description de l'application, de ses fonctionnalités, etc., etc. Comme ça, le client se projettera plus facilement et comprendra immédiatement que c'est vous dont il a besoin pour résoudre son problème. Ensuite, pour ce qui est du deuxième réseau social, LinkedIn, c'est très intéressant parce que c'est là que se trouvent tous les pros et donc que vous allez pouvoir trouver vos nouveaux clients. Et si ça vous fait peur de créer du contenu et que vous savez pas quoi partager, surtout si vous avez peur de passer pour un débutant, j'aimerais vous partager une citation de Gary Vaynerchuk que j'ai trouvée dans le livre Expert Secret de Russell Brunson, qui est « Document, don't create ». Autrement dit, documentez votre apprentissage et ne cherchez pas à créer quelque chose de nouveau. Donc partagez votre parcours, montrez les différentes étapes de création de vos applications, partagez vos problématiques, vos doutes et vos mini-victoires, et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple de publier. La quatrième étape, ça va être le marketing. Vous allez devoir vous vendre à vos clients. Avoir une présence en ligne, c'est primordial, mais c'est rarement suffisant. Parce qu'en créant du contenu, vous allez attirer vos clients potentiels, mais eux-mêmes ne sauront pas qu'ils sont vos clients potentiels. Ils vont juste s'intéresser à votre contenu, le contenu que vous proposez, mais c'est tout. Pour qu'ils deviennent clients, et donc qu'ils vous permettent de démarrer votre activité en freelance, vous allez devoir leur vendre quelque chose. Alors, la vente, c'est un sujet très vaste et on n'aura pas le temps d'en parler dans cette vidéo. Mais pour vous guider quand même un petit peu dans cette quatrième étape, je peux vous conseiller trois livres hyper intéressants qui parlent de près ou de loin, on va dire, de la vente, surtout quand on est freelance. Le premier, c'est The One Page Marketing Plan de Alan Deeb. Le deuxième, c'est This is Marketing de Seth Godin. Et le troisième, c'est Influence et Manipulation de Robert Cialdini. Mais voilà, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, qu'on approfondisse un petit peu le sujet dans une prochaine vidéo. Et enfin, cinquième étape, là, ça y est, vous avez trouvé votre premier client, il ne vous reste plus qu'à développer pour vos clients. Donc si on résume, première étape, apprendre les bases du développement iOS. Deuxième étape, développer vos propres applications en les publiant sur l'App Store pour vous constituer un portfolio solide. Troisième étape, se construire une présence en ligne en publiant vos applications sur GitHub et en documentant votre apprentissage sur un autre réseau social comme LinkedIn, Instagram ou YouTube. Quatrième étape, commencer à vendre auprès de vos potentiels clients en leur proposant vos services. Et cinquième étape, développer l'application pour vos clients. Dans une prochaine vidéo, on reviendra en détail sur la première étape, c'est-à-dire comment apprendre le développement iOS. Je vous présenterai un plan à suivre, des ressources, les outils à installer et les techniques pour apprendre plus vite et plus efficacement. Donc en attendant, n'hésitez pas à commit un gros pouce bleu sur la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.